Vaughn. Okay, you know what? Okay. I had issue with my life through Facebook, so I canceled it. I sent out a Zoom meeting through Facebook. Please approve it. Thank you. I apologize. I have some issues here with my technology, so I sent out a Zoom meeting. Hopefully this will help. And this is being recorded, so when we finish, we post it in Facebook, on Facebook as well. My apologies. Tonight, my tech isn't working. If I'm hoping you can hear me. So I will allow people to come in there. We'll have to wait a few minutes to let people to switch over to the live, please. Let's be patient. Please share the Zoom meeting with your friends, those waiting on Facebook. We will, when we're done, we're gonna post this on Facebook as well. Yes, if you're not speaking, please go on mute. And I'm listening to you right now. I understand you all have kids around, but let's try to be what we have a Zoom chat here. A personal chat, everybody. Hey. Mutez vos appareils, s'il vous plaît. Mutez vos appareils. Don't worry, je vais muter tout le monde. Mute all. Yeah. All right. Vous pouvez envoyer vos questions par le groupe chat, si vous voulez. Hein? Voilà. Donc, on va commencer. La dernière fois, est-ce que vous m'entendez très bien là? Ok. C'est nous. Président, can you hear me?
OK, parfait, merci. OK, so let me just begin by saying that I am not a financial planning expert. I'm not a lawyer. I am not an accountant. None of that. What I am is a financial coach and educator. Je suis un éducateur, je suis un coach en finance. C'est ce que je fais. Et tout ce que je vous donne là aujourd'hui est à titre d'une formation seulement. Voilà. La dernière fois, nous parlions d'investir en Amérique et j'ai parlé du concept d'accumuler, investir et protéger. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la protection, en quoi elle consiste et qu'est-ce que ça veut dire au juste. Let me do this here. Okay. All right. How do I just admit all? Okay. Alors, comme a dit Benjamin Franklin, dans la vie, il n'y a que deux choses qui sont certaines. La mort et les taxes. Ben Franklin once said that in life, there are only two certainties, taxes and life. Do you guys see what I'm sharing? Prezi, do you see what I'm sharing? Okay, thank you. So in life, there are only two things that are certain. We are going to die and we all pay taxes. Period. That's the end of that. Okay? Now, it is a very sobering subject. Talking about life, you know. We're all going to die someday. That's just a fact of life. Vous savez, nous, Africains, la mort nous fait peur. On n'en parle pas très souvent. Et en général, on ne prend pas la peine de planifier ces choses-là. Alors, là, la vie, c'est comme les rails, c'est comme un chemin de fer. Quand nous sommes nés, on est nés sur des rails qui sont notre vie, en fait. On se lève un matin, on est né, et puis la vie, c'est les rails devant nous. Life is like a railroad. You're born, in front of you, you have your track. You go about your life until someday things happen. All right? Now, you have tracks, and you have death, okay? The train represents death. Le train représente la mort. Alors, c'est quoi? On est sur des rails, on ne peut pas en sortir, hein? C'est inévitable. Si notre train est rapide, on meurt vite, on a une vie courte. Mais si notre train est vieux et n'est pas rapide, on a une vie assez longue et on meurt plus tard dans la vie. OK? Alors, la vie continue, on avance, pas de problème. Life goes on, we're living our lives, you know, without any issues, no problem at all. We're having a lot of fun, but the train is coming. La vie continue, mais le train arrive. On peut pas l'éviter, on peut pas s'échapper. Le train arrive. Et ce train qui arrive, c'est notre mort, notre mort. That train that's coming our way, it is our death. Alors, what happens? When that train hits you, you have two choices. Two things happen. Lorsque le train vous frappe, on a deux choix. En fait, soit on est mort tout de suite, soit on va dans le coma et puis on meurt plus tard. En fait, voilà en fait les deux éventualités. When the train comes, it hits us, there are only two choices. Either we die right away or we go in a coma. Then we die later on. Now, what happens when we are either in the coma or when we're dead? Lorsque le jour J arrive, quand le train arrive, qu'est-ce qui se passe? Le train, il nous frappe. Hein? Soit on meurt tout de suite, soit on va dans le coma. Mais quoi qu'il arrive,
tôt ou tard, on va mourir. Comment ou pas comment? Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, dans le coma, ou bien quand on soit mort, qu'est-ce qui se passe? Dans le coma, qu'est-ce qui se passe? On a des questions. Dans le coma, si on est dans un état végétatif, qui va décider pour nous? Qui va décider de notre survie? On parle de nous ventiliser actuellement, de nous nourrir, de nous débrancher. Qui prend ces décisions-là pour nous? When we're in a coma, we are in like veggie state, right? The question is, who decides for us? You are on a feeding tube, on a ventilator. How long should we be on a tube? Who decides when you unplug? The point is, these questions will come up. If you don't die right away, you're going to be in a coma for a little bit where things are being done to you. You have no choice but to sit there and live through these things. You don't have the power to speak or advocate for yourself. Linda Bryan has a question. At the end, please. Okay? So, now, if you die, on the other hand, here are the questions. Do you want to be buried or cremated? Where do you want to be buried? USA, Canada, Cameroon, New Zealand? If you choose for cremation, what happens to your ashes? Who will manage your affairs when you're dead? Who will take care of your children? Lorsqu'on est mort, on ne peut pas prendre ces décisions-là. Maintenant, on est coincé. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont nos choix quand on est vivant? Est-ce qu'on voulait être incinéré ou bien enterré? Si c'était l'enterrement, enterré où? États-Unis, Canada, Cameroun? Si on choisit pour l'incinération, qui va s'occuper de nos cendres? Et notre patrimoine qui s'en occupe? Les enfants qui s'en occupent? Parce qu'en fait, si les deux parents sont morts, qui va s'occuper des enfants? When both parents are dead, let's say in an accident, somebody has to take care of the children. And it is not that easy. Don't say to yourself, oh, my brother or my mother. It's not automatic in this country. It's not. At all. Okay? So, that's why you have to do what is called estate planning. Estate planning is basically the fact of getting prepared for what happens to your affairs in your family when you're gone. La solution, en fait, c'est la succession processorale. OK? Lorsque vous êtes mort, qui va s'occuper de vos affaires, de vos enfants, de vos biens? C'est là alors où maintenant qu'il faut avoir sur place ce qu'on appelle soit un testament, soit un living trust. Ce sont des composants en fait qui sont en fait qu'on peut essayer de s'en occuper pendant que vous êtes en vie. Alors parlons-en un peu doucement. A living will or living trust. This tells people, this is what you tell people, listen, in case I'm in an accident, I'm in a coma, don't feed me, don't keep me plugged, and you basically decide what happens to you if you cannot speak for yourself. You're not dead, but you want things to be done for you. Thank you. Living trust, définition en français, voilà. Alors, power of attorney, excusez-moi ce soir-là, l'anglais me domine mon cerveau là. Power of attorney. Vous donnez à votre avocat ou bien quelqu'un de la famille le droit de signer le document en votre nom. Cette personne à qui vous donnez ce droit a le pouvoir de décider sur vos biens, sur vos affaires, sur vos enfants. OK? Advanced Healthcare Directive, c'est un peu comme le Living Trust.
Par exemple, DNR, do not resuscitate. Les gens qui ne veulent pas souffrir, s'ils sont dans le coma, ils vont dire, laissez-moi partir tout de suite. Il y a des gens qui ne veulent pas être des végétaux, être assis, être dans le lit pendant des mois et des semaines, à être sous ventilation. Pourquoi? Il y a des gens qui ne veulent pas de ça. Maintenant, quoi qu'il arrive, ce que vous ne voulez pas, c'est ce qu'on appelle en anglais « probate ». Je vous le dis en français là. Ça s'appelle en anglais l'homologation. Okay? Vous ne voulez pas aller en homologation. What is probate? When you die and you have no living, you have no will, and you left homes, money, bank accounts, and so on and so forth, and you did not decide who takes care of your affairs, the government will decide that for you. You've all seen families fight over people's wealth when they died. You've seen siblings go to court over the parents' estate. Even if you marry, in some states in America, being married isn't enough because, of course, legally, you are part of the family. But somebody can come and challenge her why she takes care of your affairs. To make sure that there is no question as to what you want, pour être sûr qu'il n'y a aucun doute quels sont vos souhaits par rapport à vos affaires quand vous êtes mort, il faut absolument faire du estate planning. Absolument. C'est le seul moyen, c'est la seule façon légale d'être certain qu'après votre mort, vos affaires seront prises en charge comme vous l'aurez souhaité. Alors, the only way you can make sure that your affairs are taken care of the way you want them to be taken care of is by having done a very rigorous estate planning. That includes your life insurance policies, your bank accounts, your investments, your house, whatever you have of value, your children. Where will the children go to school? Who will raise them if both parents happen to die? Somebody has to take care of those children for you. Where will the money come from for the education? All those things have to be in your estate planning. Now, I'm not a lawyer. I'm not an estate planning professional, I'm not. I'm a coach. If you don't have at least a will, and a living will, at a minimum, please, tomorrow morning, I'm sure if you'll ask in a group in Antonu Kamer, I'm sure we have lawyers there, I'm pretty sure. Go see a lawyer, go see a notary, put your things in writing. Okay, now I'm going to unmute all of you and then we can have a discussion. Ok, Aïcha demande, pour faire un testament, il faut que j'avoir... Le testament, en fait, ça veut dire qu'on n'a rien à voir. If you have nothing, what do you mean you have nothing? We all have something. Ok, let's say you have no financial anything. Let's say you don't have any money or house and whatnot. But you have you. Your own person is something. Where do you want to be buried when you die? You want to be cremated. Est-ce que tu veux être enterré ou bien incinéré? Si tu veux t'enterrer, tu veux qu'on t'enterre où? Au Cameroun, au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Chine, où tu veux être enterré? Si tu n'as pas mis ces trucs par écrit, les gens vont faire comme ils veulent. Le testament est là pour éviter les problèmes après ta mort. Même si tu n'es pas riche, mais ta personne en tant que telle doit être prise en charge d'après tes souhaits. Hein?
So now, this is very short. I mean, I'm not going to get into all these things. I give you the little minimum here. Just go talk to any lawyer. Tell them that I want to do some estate planning. Family lawyer, that is. Or go talk to a financial advisor, a financial professional. Say I want to do estate planning. In fact, LegalZoom, I think, has some templates on this. LegalZoom has documents that you can use then to do yourself. But whatever you do, once it is done, you need a witness and go see a public notary. LegalZoom a des documents déjà préformatés pour ce besoin. Vous pouvez les télécharger, les remplir. Allez voir un notaire avec un témoin qui va signer pour valider votre testament et puis vos documents légaux. Et dès que vos documents sont légalisés, vous les mettez dans votre coffre-fort, soit à la maison, soit à la banque, pour que le jour où on en a besoin, qu'on sache pour aller les chercher. Aisha, any other questions? Did that answer your question? Aisha, oh, c'est en français là. Excuse-moi, français. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Aisha? Je vais essayer de unmuter puis pour ici là. Unmute. Unmute. Je vais. Unmute everybody, then we can talk. We are all on mute now. Comment ça? Comme ça, quand il a le temps, lui-même te prend, il partait chez le médecin à son nom. Mais c'est important d'avoir ces documents déjà préparés. C'est important, c'est très important. Non. Il fait comme ça. Si tu n'as pas dit, est-ce que c'est ton enfant, ça sera facile. Mais si ce n'est pas ton enfant naturel, ça doit être bien compliqué. C'est vrai. Parce qu'en fait, ok, les enfants qui sont chez vous, là, c'est vrai, ils sont vos enfants. Mais souvent, les choses se compliquent. OK? La loi américaine est très, très, très compliquée pour ces choses-là. Il suffit que quelqu'un ait un cours, dire que non, ce n'est pas son enfant, même si c'est le vôtre. Vous irez un cours pendant des mois et des semaines pour en finir. Donc, il est important, en fait, d'avoir ces documents légaux préparés en avance. Tout à fait important. Anybody else? I'm going to unmute you guys. If you want to have a question, si vous voulez parler, on peut avoir une discussion là-dessus. Si vous parlez pas, s'il vous plaît, mettez-vous en mute, je vous en prie. Et ceux qui veulent intervenir peuvent parler s'ils veulent. Now, let me ask you guys. Est-ce que tout le monde ici a son testament préparé? Je sais que l'Africain n'aime pas parler de la mort. La mort est inévitable. OK? Je reviens ici là. Laisse-moi vous montrer là. Je reviens ici, au début là, ceux qui ont manqué le début. Là, voici la vie, hein. Voici la vie. Vous êtes né sur les rails, ok? La vie, c'est les rails. Et le train de la mort, tôt ou tard, ce train viendra vous frapper. Là, c'est inévitable, ça va venir. Si votre train est rapide, vous aurez une vie courte. Si votre train est lent, vous aurez une longue vie. Mais quoi qu'il arrive, tôt ou tard, vous allez partir. Alors, la suivante. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes parti? C'est ça, en fait, cette discussion-là. Alors, est-ce que vous pouvez faire un testament
On peut en parler, hein. On est sa famille. Après 18 ans, est-ce que tu as plus de 1000 femmes ou bien d'autres instances qui peuvent aider ton pays? Peut-être ce n'est pas qu'on te paye plus, mais tu as plus de 1000 femmes qu'autre chose. Ou bien, peut-être dans le cas de cette personne qui était employée au tech, il faisait peut-être 3 jobs différents dans la clinique. Est-ce que c'est possible que le clinique manager crée peut-être du SFR, extra-duties, que la personne a fait? Et si c'est le cas, est-ce que la personne aura step 1? Et bien, ça va arriver peut-être match un peu avec ses années d'expérience. J'ai okay. Misère pour revenir à ta question, pour revenir au départ. Après, coach, are you able to mute everyone? Yes, I can do that. Après, suite à Ok. Ceux qui veulent parler n'ont qu'à se mettre sur non, enlever le mute quoi. Allez-y. Celui qui veut parler can unmute himself. Hello? Nobody's talking now. See? Linda, I see you raising your hand. You can talk if you unmute yourself. Coach, c'est mieux justement that they raise hands parce que sinon tout le monde peut se unmute at the same time at one point si on a tous envie de parler. Let's just raise the hand like Linda, maybe. Okay, all right, Linda, let me unmute you. No, actually, I raised my head very early on because your chat was disabled, but you enabled it. So that was the reason why I raised my hand long time okay, ago. Good. Okay, now we can all talk. We're family now. Come on, people, let's talk. Let's have this discussion, okay? I mean, this is important. Death is coming. We are going to die. All of us are going to die. All of us. The question is, if you're in a coma, what happens to you? You want to be fed with a tube? Be on machines for months at a time? It doesn't matter what you want. Put it on paper. Otherwise, it has no value. What you want has to be put on paper, written. If you want a DNR, put it on paper. We are going to die someday. Let's prepare for it. In my case, okay, but for the moment now, j'ai fait un testament en vidéo que j'ai mis dans le cloud et puis mes frères y ont accès. Et mon testament est très clair. 5 minutes en vidéo, 5, pas plus que ça. Vous pouvez le faire chez vous, avec votre époux, bien votre couple, n'importe quoi, document, vous écrivez la date, ce que vous voulez qu'il soit fait, vous signez, et puis allez le faire notarier. C'est tout, c'est tout là, ça prend 10 minutes. Ne mourrez pas comme les souris sans avoir les intestaments. Très important. Même si on n'a pas d'argent, le testament, le will, ce n'est pas pour vous. C'est pour ceux qui restent derrière vous. C'est ceux qui feront de vos dépouilles et de vos biens. OK? Votre dépouille est importante. Si vous voulez pas qu'on voit vos dépouilles dans les écoles de médecine pour les expériences, décidez pour vous-même. Ces choses doivent être décidées par vous. Et ceux qui veulent aller se faire enterrer au Cameroun, là, il faut le mettre sur papier. Questions? I'm listening. Come on, people. This is us. Entre nous, Camerounais. N'ayons pas peur. Le Japap. Comment on dit souvent, là?
Hello? Nobody's talking? Really? I'm done presenting my material. It's all here. Okay? It's all here. The question is, what are you going to do? If you don't have a will, go see an attorney, family attorney, to have a will done for you. If you don't have life insurance, go get life insurance. If you don't have a living will, or what is called an advanced healthcare directive, have one. Si situer un donneur d'organe, il faut le mettre sur papier, ou bien sur votre permis de conduire. Coach? Oui. Je peux dire quelque chose là. Mais vas-y, on est ensemble, non? Vas-y. Yeah, I want to say something. Donc, je veux vraiment attirer l'attention de ceux parmi nous qui ont des enfants. Je voudrais vous dire que en ce qui concerne le will, là, c'est très, très important. Si vous avez des enfants, c'est très, très important d'avoir un will parce que le will est le seul document légal aux États-Unis que la loi respectera en ce qui concerne la personne qui va garder les enfants. Si vous n'avez pas de will et que vous avez des enfants, c'est à la cour, c'est le juge qui va décider qui va prendre la garde de ses enfants. Donc, si vous avez, si vous êtes peut-être un parent qui est single et que vous avez un enfant et que peut-être le père n'a jamais reconnu cet enfant-là, il faudrait bien avoir un will parce qu'au moment où tu vas mourir, c'est peut-être en ce moment que le père de l'enfant va sortir et dire que voilà, je suis le père, moi je Exactement. Dois prendre la garde de cet enfant. Exactement. Si tu n'as pas fait un will où tu as déterminé qui va prendre la garde de cet enfant, à la cour, ce sera normal que le juge passe la garde de cet enfant au père de l'enfant. Donc, c'est un truc qu'il faut vraiment, il faut prendre ça en cœur, surtout si vous avez des enfants. C'est le seul document légal aux États-Unis qui détermine qui va prendre en charge les enfants. Sinon, ça va aller à la cour. Même si vous êtes marié, ça va aller à la cour avant que le juge va dire que voilà, le parent qui est vivant doit prendre l'enfant. C'est tout. Merci. Il ne faut rien prendre pour acquis dans ce pays-ci en matière de vie et de mort. Pas du tout. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Merci pour l'intervention. Anybody else? Pierre Alexis, come on, man. Je te vois. Dis quelque chose, mon grand. J'espère que tout le monde ici a un testament, hein? J'espère. Une fois de plus, je dis bonsoir. Désolé de prendre le train en marche déjà. Je suis encore en train de comprendre le sujet, d'essayer de parcourir le screen là pour comprendre de quoi il s'agissait, le will et autres. Mm-hmm. Et déjà, je trouve le sujet intéressant et c'est un sujet qui vaut la peine de prendre au sérieux et de comprendre de quoi il s'agit pour soi-même, pour sa famille et pour les autres. Et je voudrais déjà encourager l'initiative parce que les débats sur les réseaux sociaux ne doivent pas être juste pour des futilités et de la distraction, mais ça devrait aussi être l'occasion pour nous d'apprendre, de réfléchir, de partager surtout ce que nous connaissons, ce que nous, nos connaissances sur des sujets aussi importants de la vie quotidienne. Donc, en ce qui concerne une thématique comme ce que nous avons sous la main, je pense que c'est très important dans le sens où nous avons eu plusieurs cas de décès de Camerounais autour de nous, ici aux États-Unis. Et c'est quand on a fait face à ces cas qu'on a compris l'importance de certains détails qu'on a manqué de faire de son vivant, ou bien que nos frères ont manqué de faire de leur vivant, et qui ont pratiquement affecté toute la famille et tout le reste de leur descendance dès qu'ils ont fermé les yeux. Mm-hmm. Personnellement, je me suis connecté sans exactement comprendre de quoi il était question pour la discussion, mais je suis en train de réfléchir un peu rapidement. Là, ça m'interpelle. Je me sens interpellé et je suis en train de connecter mes neurones ensemble pour comprendre qu'est-ce qu'il y a lieu de faire actuellement et qu'est-ce qu'il faut partager avec les autres. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation.
Très bien, voilà. Donc, je vais aller en arrière ici. J'ai dit, par exemple, voilà. Lorsque le train arrive, le train, en fait, c'est notre mort. Hein. On est né, nous voici. La vie, c'est les rails. OK? Le train arrive. Soit il est rapide, soit il est lent. Mais ce train arrive. Le jour où ce train arrive et qu'il nous frappe, c'est la mort. Ou bien, on est dans le coma. Si on est dans le coma, mais qu'est-ce qui se passe alors? Il y a des questions auxquelles on doit faire face. Qui va prendre ces décisions-là pour vous? Hein? Il y a des gens qui ne veulent pas être dans le coma. Il y a des gens qui ne veulent pas souffrir. Bon, disons souffrir, quoi. Il y a des gens qui ne veulent pas être dans un état végétatif pendant des années ou des mois. Ces décisions vont être prises si seulement si vous avez laissé avec vous un document légal qui nous dit quoi faire de vous si vous êtes incapacité. Et si vous êtes et lorsque vous mourrez, alors on fait quoi de vous? Qu'est-ce qu'on fait de votre dépouille? Ce sont là les questions auxquelles on fait face tout le temps ici. Il y a des gens qui veulent aller au Cameroun avec leur corps. Il y a des gens qui meurent ici. On fait créer des fonds pour envoyer leur corps au Cameroun. Ma question est toujours la suivante. Quel était son souhait au départ? On n'en sait rien. Alors, pour éviter ce genre de discussion-là, c'est pour ça que j'ai dit, il faut aller voir un avocat en famille ou un expert dans le domaine pour faire du planning. Tout à fait. Il nous faut au minimum, chacun d'entre nous, au minimum, un testament et puis ce qu'on appelle living will. Le testament dit ce qui se passe après votre mort. Le living will dit ce qui se passe si vous êtes dans l'incapacité de prendre des décisions pour vous-même. Par exemple, vous êtes dans un coma et quelqu'un va prendre une décision pour vous. Vous pouvez donner à quelqu'un ce qu'on appelle un power of attorney qui prend des décisions pour vous. Mais quoi qu'il arrive, ne laissez pas les choses telles qu'elles sont sans que les choses soient bien décidées et que ce soit très, très clair. L'Amérique est un pays très compliqué en termes légal. Très compliqué. Donc, nous les Camerounais, on veut tous aller mourir faim. Il y en a qui veulent aller à l'intérieur chez eux. D'autres non. Sur papier. J'espère seulement que tout le monde ici, là, ce soir, s'il n'a pas de testament, demain, il y aura un testament, au minimum. Ceux qui veulent donner leur corps à la science pour les recherches peuvent le faire, mais il faut que ce soit par écrit. Ceux qui veulent se faire incinérer doivent le mettre sur papier, document légal. Et voilà. Salut Anselme, salut Valérie. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions sur le sujet? Non? Il nous reste 9 minutes là. Bon, alors, puisqu'on a 9 minutes, samedi passé, j'ai fait un live sur l'important d'investir dans ce pays-ci. Bon, je parle comme ça. Hein. Et Coach Lisa et moi, qui parlait tantôt. Coach Lisa, vas-y, fais le topo. Moi, j'écoute seulement. Coach, are you on? Coach est parti. I'm on. I'm here. Go ahead. About investing. Let's explore our investment stream and then academy. Oh, okay. Oui, en fait, en termes de, déjà même pour investir, il faut avoir des revenus. Bonsoir tout le monde, c'est Coach Lisa. Il faut avoir des revenus et généralement nous recommandons en tant que financial coach que vous soyez capable de multiplier vos sources de revenus. Parce que, bon, c'est vrai, les gens disent, non, il faut avoir beaucoup d'argent pour investir. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour investir. Régulièrement, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je poste des petits comptes de 500 $ où j'ai commencé à faire des investissements qui font des gains de 20 $, de 30 $ la journée. Ça, c'est un instant montant que je n'avais pas avant dans le compte. Et
même quand tu as 10 000 dollars dans ton compte, ce n'est pas sûr qu'en fin d'année, la banque va te donner ce genre de, d'intérêt, va te donner même 3%. Donc, par conséquent, avoir un intérêt supplémentaire sur un montant d'argent que tu as, c'est toujours mieux que de garder l'argent en banque. Là, on parle de estate planning. Tu vas planifier ta succession, planifier, faire ton testament et tout ça. Planifier ce qui va se passer après ta mort. Tu vas faire tout ça comment, en fait, si tu n'as même rien? Et donc, pendant qu'on est encore vivant, nous avons l'avantage d'être en Amérique du Nord, là où il y a tellement d'opportunités pour pouvoir avoir d'autres sources de revenus. Si vous savez faire quelque chose, comme je disais la semaine dernière, quel que soit ce que vous savez faire, même si vous savez seulement tresser, si vous savez faire les tresses, les week-ends ou les soirs, dites-vous, OK, j'ai envie de faire un extra 200 dollars chaque semaine. Pour faire 200 dollars, est-ce qu'il faut que je tresse 4 personnes peut-être? Je vais avoir 50 dollars par personne ou what? Mais quel que soit ce que tu veux faire, tu prends cette décision. Tu peux décider que, oh, je sais très bien faire la cuisine. Moi, je passe le temps à chahuter mon mari parce qu'il est médecin, mais c'est un cordon bleu en fait. Quand il entre à la cuisine, je ne vais pas me cacher comme une petite souris quelque part. J'attends seulement que ce soit prêt, tellement il est fort. Alors moi, je lui dis toujours, je pense que si tu n'avais pas fait la médecine, tu serais millionnaire maintenant parce que tu serais un excellent chef. Et il a la patience de faire les plats, de les décorer. Tout ça, moi, je trouve que c'est une perte de temps. Tout ce qu'il veut faire, c'est manger. Je passe le temps. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a déjà la passion de faire quelque chose, de bien le faire, de vouloir que ce soit présentable et tout, c'est un plus que tout le monde n'a pas. Donc, demande-toi, quel est le plus que j'ai que les autres n'ont pas? Et je lui disais, il n'y a pas de problème. Tu peux même travailler comme médecin. Et puis, une fois par semaine, tu peux décider qu'OK, dans ton basement, tu fais un endroit très chic où tu peux faire des petits plats. Voilà, tu fais un petit buffet chic avec tes plats préférés où les gens vont payer 100 dollars pour venir passer un bon temps. Ils ont le billard, ils ont les cartes, ils ont whatever. Ils passent du bon temps. Mais en fait, c'était pour qu'ils pensent à plus qu'aller travailler comme médecin et rentrer à la maison. Il y a des gens qui ont des voitures qui n'utilisent pas. Si, par exemple, tu travailles de la maison, tu es peut-être dans le IT, ça veut dire que tu n'utilises pas souvent ta voiture. Tu peux décider que, OK, you know what, je n'utilise presque pas ma voiture. How about, je peux mettre ma voiture là sur Turo et faire louer ma voiture, en fait. Il y a une application comme ça où tu peux faire en sorte que les gens louent ta voiture par jour et puis ça t'apporte des revenus supplémentaires. Tu postes seulement ta voiture, en fait, et puis les gens viennent louer. Tu peux avoir des chambres supplémentaires dans ton basement que tu n'utilises pas. How about tu mets ça sur Airbnb et puis comme ça, tu te fais un extra 30 dollars par jour. Il y a des gens qui viennent dans ta ville et qui aimeraient bien avoir un espace comme ça qui n'est pas un hôtel forcément. Et donc, du coup, quelqu'un peut faire 10 jours, te donner un extra 300 dollars. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Peut-être que tu aimes faire la couture par plaisir. Et je connais des gens comme ça. How about tu fais de temps en temps des cabas que les Africains là vont aimer et tout, puis tu en vends. Comme ça, tu te fais 50 dollars par-ci, par-là. Les Africains ont toujours des petits événements où il y a des expositions. Tu peux faire ta petite exposition là-bas. Peut-être que tu es passionné de make-up. Moi, j'ai une amie, quand on partait travailler, elle se lève une heure avant et puis elle s'apprête et elle prend 30 minutes pour faire le make-up. Moi, je prenais exactement 3 minutes le temps de passer un trait noir sur mes cils et tout, et mes sourcils. Et puis, je mets le gloss and I'm good to go. Mais elle avait cette passion de s'asseoir et puis faire un joli make-up avant de partir au travail. Et please, on ne travaillait même pas dans un endroit exposé à la clientèle. On travaillait à l'époque dans un call center. Je me demandais, attends, tout ça, c'est pour être Nyaga venir travailler au call center avec nous. Elle dit que I just love it. Et tous les matins, c'était dans son plan. Or, si les week-ends, elle décide vendredi, samedi, dimanche, qu'elle veut offrir quelques minutes pour faire le make-up aux gens, je paye généralement un make-up artist, average of $70. Donc, en fait, elle peut même juste faire le make-up pour 3 personnes. Ça lui fait un extra income comme ça tous les mois, 300. Elle peut se faire facilement 200, 300 dollars here and there. Donc, c'est pour vous dire, pensons à multiplier nos sources de revenus. Si tu te dis, dernièrement, on a Linda également qui a fait une présentation sur life insurance. Life insurance is also a way of having extra income. It can be a source of income dépendant du type de life insurance que tu prends. Si tu prends un IUL, je ne sais pas trop comment ils appellent ça,
tu as une portion qui est investie en fait et qui produit de l'argent pour toi. Tu as la possibilité d'emprunter même cet argent-là si tu es dans le besoin à un moment donné. Si tu te dis le minimum que je veux prendre comme life insurance, moi j'ai aimé une fois quand coach Moma Soa dit, si tu dans ta vie tu n'es pas millionnaire, tu peux au moins mourir étant millionnaire. Et donc mourir étant millionnaire veut dire que tu as pris une assurance vie d'un million de dollars. Et une assurance vie d'un million de dollars, ça peut sembler effrayant, mais la réalité c'est que généralement les gens payent somewhere between $60, $100, $120 dépendant de ton âge. Et du coup, tu peux te dire, oh, je n'ai pas $100 à dépenser tous les mois pour mon assurance de vie d'un million. But think about this. Si je dépense $100 environ par mois pour ton assurance de vie, ça veut dire que tu as dépensé $1,200 par an pour ton assurance de vie. Si tu as 10 ans à vivre, ça te fait environ 12 000 ou je ne sais pas trop combien là. Et si tu as 30 ans, ça te fait environ 36 000. Mais en fait, si tu as pris une assurance vie de 30 ans et que tu payes $100 par mois, pendant les 30 années, là, tu auras à peine dépensé $36 000, mais ta famille va se retrouver avec 1 million. Ça, c'est un extra. Cette partie-là est investie pour toi. Mais maintenant, si tu décides que tu veux investir toi-même, tu as la possibilité, fort heureusement, si tu es du côté des États-Unis, d'avoir des applications qui te permettent d'investir gratuitement. Il y a beaucoup d'applications. Il y a Robinhood, il y a Weibo. Vous pouvez nous contacter par la suite si vous voulez en savoir plus, que ce soit Coach Momasso ou quoi, ou même J. Seydou, qui est également dans le groupe, qui est président de Keywords for Success. Il est en charge de tout, pardon, les formations. Il a toutes les informations pour vous. D'ailleurs, on a une session qui arrive le 13 juin, le 13 juin et le 14 juin, où en fait, on forme des gens là-dessus. Mais ça, ce n'est pas gratuit. Par contre, c'est disponible en ligne sur YouTube. Vous pouvez taper investment app. Vous allez voir quelles sont les différentes investment apps et comment les utiliser. It's just going to be too much information. So if you decide that you want somebody to train you, that's better. It doesn't have to be us. But go out there and try to find a way to invest. Si tu te dis, comment est-ce que je vais faire pour avoir même d'abord les $100 là, it's too much. Mais en fait, c'est toujours toi qui achètes les billets VIP pour aller à toutes les fêtes. Faites des Camerounais, faites des Ghanéens, faites des Nigériens, c'est toujours toi. Et puis, même quand on ne te connaît pas, et même quand tu n'as pas un business, tu dis que tu veux être le parrain. Tu parraines tout, tu peux pas dépenser $1,000 là-bas, on te met sur un trône, on te met plusieurs femmes à côté et tout ça. Tu as l'air d'être un prince le temps d'une vie, le temps de quelques minutes. OK, if that's what matters to you, il y a des gens qui disent, je préfère bien vivre pendant que je suis en vie. Pour le que après ma mort, il y a quelque chose d'extraordinaire. No problem, that's your choice of life, right? Personne ne t'oblige à faire autrement. Mais si tu décides que je vais un peu cut down sur le nombre de parties que j'attends, je parlais dernièrement avec des amis qui disaient que, oh, les fêtes des Camerounais, là, faites des efforts. Vous, les organisateurs de fêtes, vous exagérez, ça commence à être trop cher. À l'époque, les fêtes, c'était $15, $20. Maintenant, vous faites des fêtes à $100, billet normal, et $150, $200, ticket VIP. Imaginez un peu si chaque semaine, on a vos fêtes là. Ça veut dire qu'on doit dépenser presque $1,000 tous les mois sur vous parce qu'en plus, on arrive, on dépense pour la boisson. Mais voilà, ça, c'est leur style de vie. C'est qu'ils doivent aller dépenser comme ça et jeter $1,000 par la fenêtre. Mais si tu te dis, non, je veux quand même continuer à vivre comme ça, mais je veux quand même le life insurance, je veux quand même investir, continuer ça, je fais comment? Je te dis, OK, bah, le soir, si tu as ta voiture, décide que tu as fini ton travail. Mais quand en plus tu vas prendre ta voiture, aller conduire Uber 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps chaque semaine pour avoir un extra $100. That's your choice. Tu es seulement sorti travailler juste pour avoir tes $100 pour la semaine là. One time. Et puis, that's it. En 4 semaines, ça te fait $400. Tu pourras choisir ce que tu veux en faire. $100 pour ton life insurance de 1 million de dollars. $300 pour aller dans ton Robinhood app ou ton Weibo app, ton autre app où tu veux investir. See, that makes a difference already. Tu peux aussi décider que même, au lieu d'aller faire une journée ou 4 ou 5 heures de Uber pour avoir tes $100 là, tu peux décider que tu vas seulement faire une heure every day. Je n'ai jamais fait Uber, mais je pense que les Uber, Lyft et tout ça là, ils ne t'imposent pas un nombre d'heures que tu dois faire. C'est free. Donc, tu peux sortir là et puis tu fais une heure chaque soir, pendant 4 soirs, tu fais $25. Tu as $100 pour cette semaine-là. C'est juste pour vous dire, quand tu planifies ta vie, elle est plus belle
tu es plus à l'aise, tu as moins de stress, et puis tu laisses une progéniture ou bien une famille qui n'est pas obligée de faire les GoFundMe sur Facebook, sur WhatsApp. Je vous assure, on donne à ces GoFundMe-là, mais c'est avec un pincement au cœur parce qu'on se dit que it could have been different. This could have been avoided, guys. Donc, c'est pour vous dire, s'il vous plaît, trouvez comment investir. Et puis, un exemple que je prends, nous les femmes là, par exemple, nous aimons nos Louboutins, nous aimons nos, nous aimons les sacs à main chic. Si c'est que tu aimes vraiment les sacs de marque, va sur YouTube, tu tapes brand handbag with best value, with best resale value. Tu t'assures que quand tu achètes ces sacs à main là, tu achètes des sacs à main qui sont comme un investissement pour toi. J'invite chacun de nous, les femmes là surtout, va un peu sur YouTube et puis tu tapes Kylie Jenner Closet ou bien une autre là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et puis, tu vas voir le closet de cette personne, mais tu vas écouter quelque part là où cette personne dit all that is an investment. One bag is 30,000, but it's an investment. She's not using the bag and you're asking yourself why. Les hommes là, il y en a parmi vous, vous aimez les Jordan et tout. Il y a un sur YouTube que j'ai vu, je ne me souviens pas du nom. Il collectionne les Jordan. Mais en fait, ces Jordan-là, years later, ça a une valeur extraordinaire. Coach parle souvent des baseball cards et puis d'autres choses. Il y a des souvenirs de quelqu'un comme Kobe Bryant. Aujourd'hui, ces souvenirs-là coûtent énormément cher si tu vas mettre ça sur eBay ou whatever. Tu peux collectionner des voitures, collectionner je ne sais pas trop quoi. Mais quelque chose que tu décides de collectionner, demande-toi si ça a de la valeur. Ça, c'est aussi un moyen d'investir. Ce n'est pas forcément en bourse. Tu peux aussi décider d'investir dans le real estate. Right? Tu achètes des appartements ou des townhouses ou même des maisons et tu mets des locataires. Tu n'es pas obligé d'être riche pour le faire. Il suffit que tu aies un bon crédit. Parfois même, ils t'enseignent comment faire pour le faire même si tu n'as pas un bon crédit. But I don't know how they do that. Mais prends ton argent, investis. De plus en plus, pour terminer, nombreux sont les Camerounais qui ont switch de nursing pour aller dans IT parce que nursing était 50 000 $. Maintenant, IT, c'est 100 000 $. Tout le monde veut aller là-bas. Mais disons-nous que 100 000 $, là, at the end of the day, it's not that much. Parce que tu auras un paycheck de 3 000, tu as un mortgage de 3 000. And then the other paycheck comes to your living expenses. Et du coup, tu vis un peu malheureux, quoi. Alors, demande-toi, comment est-ce que tu peux faire pour multiplier ce que tu as déjà? C'est uniquement à travers l'investissement. Et je vais vous donner une anecdote pour conclure. J'ai en fait sur le cash flow quadrant que coach Momaso a présenté l'autre jour, et allez chercher la vidéo là sur YouTube, a presentation by coach Momaso, vous allez trouver ça sur YouTube ou même dans la page, dans le groupe Entre nous Kamer, c'est encore posté là-bas, le live là, allez regarder. Sur le cash flow quadrant, il y avait une partie employé, une partie self-employed, une partie business owner, une partie investor. J'ai pratiquement tourné dans les quatre là. Mais je vous assure que le plus agréable, c'est la partie investor. J'ai été employé. Et quand tu es employé, on t'impose un rythme, on t'impose quand tu te lèves, quand tu dois travailler, quand tu dois soumettre les rapports, quand tu dois faire ci ou ça. Quand tu es self-employed, mais au moins avec employé, tu es sûr d'avoir ton salaire. Self-employed, si tu tombes malade, plus personne ne va avoir des revenus pour toi, pour s'occuper de toi. Ça veut dire que ta famille va mourir de famine. Supposons par exemple que tu es mécanicien for a living, mais tu n'as pas un garage où il y a des employés. Ça voudra dire que si tu n'es pas malade, tu ne vas pas t'occuper des voitures, mais tu vas donc faire comment s'occuper de ta famille. Tu es self-employed. Si tu es tax advisor, si tu es malade, tu ne peux plus advise les gens, tu n'as plus d'argent. Ça, c'est self-employment. Ça, c'est limite. Mais au moins, tu gères tes propres heures. Business, tu as des employés. Mais s'il vous plaît, moi, j'ai été dans business side of things, right? Dans business, j'ai, par exemple, des salons de coiffure. Merci, coach. Voilà l'image en question. J'étais à B business owner. Alors, B business owner m'a apporté plus de maux de tête que everything else. À un moment donné, j'ai dit que Jesus, was it not better to just be self-employed and just do my translations and my interpretation and be paid like $200 an hour to interpret with the government or just translate people's documents and whatever at my own pace in my house whenever I want? Because this is stressful. J'avais deux salons de coiffure que j'ai décidé de fermer.
ça, parce que tu as une coiffeuse qui se réveille le matin, qui a rendez-vous, et puis la cliente arrive au salon, il n'y a pas de coiffeuse. Alors, la cliente est garée là, ne voit pas la coiffeuse et commence à m'appeler. Si le rendez-vous, c'est à 7 heures, ça veut dire que technically, je suis obligée de me réveiller à 7 heures avec le coup de fil de la cliente. Donc, en réalité, je ne suis même plus libre de dormir quand je veux, bien que j'ai un business. À 7 heures-là, elle est en train de m'appeler pour dire que mais me voici devant le salon et la coiffeuse n'est pas là. What's going on? Elle se met à bavarder, elle se met à crier, elle s'en va écrire des bad reviews sur l'entreprise en ligne, everywhere. Et quand tu appelles la coiffeuse, elle te dit quoi? Oh, vraiment, maman Lisa, je suis désolée, je ne peux pas arriver au salon parce qu'il fait tellement froid. Et mon gars a dit que comme il fait trop froid là, il ne faut pas que je le laisse seul dans le lit, mais que je reste encore dans le lit, que je le garde à chaud. I'm serious. J'ai carrément ce genre de message parfois venant des filles en question et d'autres même qui te racontent des choses comme ça au téléphone. Oh non, mon gars a dit qu'il veut manger le kouem aujourd'hui. Et puis, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore sorti ceci. Donc, j'ai décidé que c'est mieux que je prépare avant de venir au salon. Mais tu n'as même pas pris la peine de m'appeler pour me dire que, you know what, can we reschedule the client so that I can cook for my boyfriend, not even my husband, so that I can cook for my boyfriend first before coming to the salon. Ça veut dire quoi? En ce moment, tu es business owner, tu as été en prison parce que tu deviens le, comment tu appelles ça? Tu es on the beck and call of your employees, en fait. If they don't work, you don't make money, right? But some businesses work just fine. My translation business, for example, I have never had a problem with a translator. Everything is always on time and everything else, even for interpretation. But not all businesses are that sweet, right? Maintenant, investor, quand j'ai décidé d'entrer dans l'investissement, ma vie a totalement changé. I have such a beautiful lifestyle right now, which means I decide when I wake up to invest. And when I wake up to invest, I can see the return right there. And it's not a small return. Les personnes qui suivent ma page peuvent aller voir. Dernièrement, j'ai posté mon petit compte de $500 là où j'ai investi. ça m'a produit genre $20 or something. Et puis, il y a un des membres de notre mouvement qu'on appelle le Millionnaire Movement, là où en fait on forme les gens et tout. Il y a l'un d'entre eux qui m'a écrit inbox, qui dit que Coach Lisa, this screenshot is not yours. It's not supposed to be. You're not supposed to have this kind of screenshot. Il faut nous laisser ça. Tes screenshots, c'est au moins $5,000. Le screenshot, là, c'est pour les gens comme nous. En fait, il disait ça pour rire. Mais c'est pour dire qu'il est tellement habitué à avoir les screenshots de 5 000, de 10 000, de 14 000. S'il vous plaît, pas en un mois, hein, mais en une journée. D'ailleurs, il y a une journée dernièrement qui était le record. Je ne sais pas, c'était 45 000 d'années. Like, it was crazy. And it was pendant la pandémie du coronavirus, quand c'était vraiment sérieux en masse. Là où tout le monde était en train de pleurer, ça faisait vraiment mal. Mais ce jour-là, j'ai fait $45,000 dans le stock market. Je n'ai pas dit ce mois-là, ce jour-là. D'ailleurs, en moins d'un mois, je crois, on était pratiquement 150 000 de gains dans mon compte. Et so, il n'y a aucun business. C'est ton char de Boeing, c'est ça? Le char de Boeing? Oui, Boeing, parce que... Ah, d'accord, ok, je me souviens, ouais. Boeing était monté d'un coup à $180, partant de $95 en quelques jours. Et moi, j'ai dit, waouh! Ayant observé ce stock, ayant observé cette entreprise, et c'est pour ça quand les gens me disent, oh coach, il faut que j'aie d'abord l'argent avant de venir m'inscrire. Je dis que you don't know what you're doing. C'est encore mieux que tu viennes négocier un payment plan. Get into the training right now so that you can start watching the market. It's not because we want a lot of people to come to the training, but it's because we want a lot of people to start watching the market. L'avantage de ceux qui investissent et gagnent de l'argent, c'est qu'ils observent le marché. C'est ça la différence entre eux et les autres. Ayant observé Boeing, je savais que $180, quelqu'un a dû pomper ce stock. It's not possible. It cannot wake up, go from $95 to $180 just all of a sudden. Bien que Boeing soit un stock qui était à, je crois, almost $400 quand Coach Momastro m'a formé pour entrer dans le stock market à l'époque. J'ai acheté Boeing à presque $390. J'ai fait $800 un jour sur Boeing. J'étais tellement contente. J'ai envoyé un message à Coach Momastro. J'ai dit, oh, est-ce que tu te rends compte que je viens de faire $800 aujourd'hui? I was so excited. Il riait sur moi. Il dit que, oh, vraiment, calm down, calm down. You know, you're getting addicted to this thing.
Mais it was amazing to see those kind of numbers. And I choose when I invest. I choose how much I invest. And I can see the return. Ça veut dire quoi? Dans investisseur là, je vois mon argent produit de l'argent. Et nous disons toujours, you know what? Nous travaillons pour de l'argent. Nous faisons que les gens travaillent pour nous, qu'on a un business. Nous travaillons, nous sommes employés, on travaille pour quelqu'un pour avoir l'argent. Mais quand tu es investisseur, l'argent travaille pour toi. And that's the key to building wealth. Voilà ce que j'avais pour vous ce soir, les amis. Thanks, coach. Excellent job. Thank you. All right. There you have it, guys. Je peux intervenir. Vas-y. On est en famille. Okay. Ouais, coach, thank you so much, Céline, encore. Mm-hmm. Lisa, wow, that was awesome. Je dis que, il est bien vrai, je ne fais pas trop dans les stocks là, mais en t'écoutant là, je ne te mens pas, je vais un peu essayer de me lancer, de regarder les stocks là, honestly. So, mais même comme je ne suis pas trop active dans les stocks, I do know something. Je sais quand même que, you know, si tu vis sur cette terre-ci and you want to become somebody, you need to have three sources of income, okay? Il y a ce qu'on appelle le active income. Active income, that's when you trade your time to get an income. Mm-hmm. And then that is your jobs, you know, just over broke, as some people say it. So, and then, and the other, the active income, il y a ce qu'on appelle aussi le passive income. Passive income, c'est un income que tu vas recevoir quand tu fournis moins d'efforts. Dans l'exemple, ça peut être des bons network marketing, par exemple. Ça peut être les gens qui ont les YouTube channels. You just make a video, you put on YouTube, and then ça génère les fonds. It can be, you know, your rental income. Tu peux peut-être acheter ta maison et tu loues le basement or something like that. That is what we call passive income. And then the third type of income that you need to have is what we call investment income, portfolio income, comme ce que Coach Lisa vient de parler là. That's what you really want to have, that because that's the kind of money that you make while you're sleeping, right? And then, you know, si vous vous souvenez, I mean, je ne sais pas combien d'entre vous connaissent Warren Buffett, you know, ça c'est mon voisin du Nebraska, qui a dit, you know, là où il est là comme ça, il paye même moins d'impôts comparé à sa secrétaire. Exactement. Pourquoi? C'est parce que c'est un investisseur. Quand tu investis, la manière dont tu payes les impôts est totalement différente de la manière dont un employé paye ses impôts. Donc, c'est pourquoi, you know, moi, j'ai toujours dit ça et j'étais vraiment très fière de savoir que même Coach Momasso le dit, le système d'impôts des États-Unis est fait pour les millionnaires et pour les business owners. Donc, les investisseurs là et les business owners. If you want to get the most out of the taxation system in America, you know, invest your money and then become a business owner. Sinon, you're going to be the slave of money, you know. So that is one thing I wanted to say about that. Et en passant maintenant, je veux aussi un peu revenir sur le sujet de estate planning. Si je peux énumérer quelques points. En ce qui concerne le estate planning, là, comme le coach Momasso l'a dit, il y a plusieurs documents qu'il faut faire. Il te faut le living will, il te faut le will, ou bien ce qu'on appelle last will. Il te faut même aussi, you know, à un certain niveau, il va falloir peut-être que tu aies le trust. Et je vais un peu parler de ces choses-là, quoi, parce que quand on parle de will, par exemple, ce sont des trucs que tu veux, que c'est un peu, you know, c'est un peu la manière de déléguer tes choses. Tu dis, bon, moi, j'ai telle chose, je délègue ça à telle personne, j'ai peut-être tel building, je veux que telle personne prenne ce building, et patati patata. Et comme je l'ai aussi dit un peu plus tôt, c'est le seul document légal aux États-Unis qui demande, qui dit qu'il va prendre la garde des enfants. Bon, au moment de faire le will, ça dépend maintenant, you know, les lois dépendent des États. Bon, il faut aussi que je le dise, hein, so I'm not a lawyer either. That's good. I even forgot to do that part parce que c'est très important. Quand je parle de estate planning, moi aussi, I always have to do that disclaimer that I'm not a lawyer. Okay. So, mais, you know, I know a little bit about it that I can talk about it. So, ça dépend des états. Okay. Bon, dépendamment de l'état où tu es, très souvent on va te dire le will, you don't need to notarize it, okay? On va te dire si tu écris le will, tout ce que tu dois faire, tu dois signer ça en la présence de deux personnes
Et très souvent, ces deux personnes-là doivent aussi signer, quoi. Mais ces deux personnes que tu dois choisir doivent être des personnes qui n'ont rien à bénéficier dans ton testament ou bien dans ton will. Bon, c'est une bonne chose, you know, tu n'as pas besoin de notarize, that's fine. Mais ce que moi, je vais quand même demander aux gens, si tu peux notarize ton will, ce serait encore bien. Parce qu'il y a ce qu'on appelle self-proof, aux États-Unis, self-proofed will, OK? Parce que ce qui est là, ce que les gens doivent comprendre, c'est que le fait que tu écris le will ne veut pas nécessairement dire que tu ne vas pas, you know, when you pass away, your stuff are not going to go to probate court. Actually, ce que les gens ne savent pas, c'est que, you know, ton will là, ici aux États-Unis, n'est même pas valide jusqu'à ce que ça passe par le probate court. C'est le probate court là qui va, you know, qui va valider ton will, OK? Bon, si maintenant tu as eu à faire ton will dans ce pays-ci et que tu as seulement trouvé deux personnes, you know, et tu as signé à leur présence, si jamais il y a des disputes, you know, certains membres de ta famille commencent à disputer certaines choses, même si tu as fait le will, it's going to go to probate court. Et en ce moment-là, maintenant, il va falloir qu'on essaye de rappeler les gens qui ont signé, les gens, how do you call them, your witnesses, les deux personnes qui ont witness, qui ont witness ta signature et qui ont signé. Donc, il va falloir qu'on les rappelle pour les interroger au niveau de la cour, pour demander si au moment où tu signais ton will, if all your capacity, if you were mentally okay and everything was there. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, mais au contraire, and God knows what will happen. Il ne faudrait donc pas qu'à ce moment-là, que les gens qui ont signé peut-être ce will, les gens qui t'ont witness, il ne faudrait pas qu'eux aussi qu'ils soient déjà morts, ou bien they are nowhere to be found. Donc c'est la raison pour laquelle, you know, it would be nice to notarize your will if you can. Même si on te dit you don't have to notarize your will, it would be nice to notarize parce que quand vous partez devant un notaire, dès maintenant ça rend ton will what we call self-proof. Ce qui veut dire if you end up in court, they don't need to call all those people to find out if and au moment où tu signais ton will if everything was okay. OK. But now, Coach Lisa a un peu parlé de life insurance and all of that. Oui, ce qui fait partie de la prestation de, I mean, de, c'est que ça fait partie de, du estate planning. Bon, c'est que les gens, bon, moi, I do write a lot of life insurance businesses, mais ce que moi, j'ai déjà eu à constater, c'est que plusieurs personnes, you know, le font pour des bonnes raisons, parce qu'ils ont des enfants, which is great. Et très souvent, ces enfants-là sont mineurs. Ici, aux États-Unis, on parle des enfants de moins de 18 ans. And then what they do is, ils font de ces enfants their beneficiaries. Vous voyez un peu. Donc, pour dire, if you pass away, si vous mourrez, il va falloir que la personne qui va prendre la prestation de décès, ou bien ce qu'on appelle death benefit, soit ce bénéficier. Et God forbid, if you pass away, quand ce bénéficier ou votre enfant a moins de 18 ans, what is going to happen is going to be tricky. Il va falloir que ce soit vraiment un enfant bien éduqué pour commencer même d'abord. Quand l'enfant a moins de 18 ans et que cette personne et que cet enfant va recevoir un tel montant, ce qui est sûr, c'est que l'enfant ne va même pas recevoir ce debt benefit parce qu'il est encore mineur. Ce que la cour va faire, c'est que la cour va prendre la prestation de décès et mettre ça dans un trust quelque part. Et je l'ai dit, trust en français, c'est fiducie. Mettre ça dans un trust et attendre jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Et au moment où l'enfant aura 18 ans, on va maintenant release tout cet argent à cet enfant. Now you tell me, il y a combien d'enfants de 18 ans là-dehors qui vont savoir gérer les millions de dollars si tu vous laissez peut-être un debt benefit de 1 million? L'enfant là va devenir l'enfant le plus chaud du quartier. Donc, you don't know, tu ne sais même pas combien de temps l'argent là va durer. Vous voyez un peu. Donc, ça fait que ça devient déjà un peu tricky si vous mourrez un peu tôt, assez tôt, et vous laissez le debt benefit à un enfant. Ou bien, on est aux États-Unis, personne ne désire que ses enfants, que son enfant soit peut-être involved dans les drogues et consorts. Donc, si tu laisses aussi une prestation de décès à un enfant qui se retrouve peut-être en train de faire les drogues, vous allez voir que l'argent là, ça va finir dans les drogues. Donc, comment alors protéger cet argent? That is where estate planning comes into place. Parce que quand on parle de estate planning, c'est un plan de protection. Tu as travaillé pendant longtemps pour t'établir ces richesses-là. Il faudrait donc protéger cette richesse-là
protéger ça contre peut-être contre les impôts, protéger ça pour que parce que tu n'as pas fait ton travail, maintenant c'est le juge qui va déterminer comment est-ce que ta richesse sera sera partagée, et protéger ça you know, pour vos enfants, you know, pour l'amour de vos enfants en plus. Vous voyez un peu, donc ce qui fait que avoir le will, c'est bien. Mais si vous êtes quelqu'un que vous avez commencé à avoir déjà un peu des richesses par-ci, par-là, peut-être vous êtes comme Coach Lisa, vous faites 45 000 en une journée ou whatever, and you have a lot of money, il faut penser un peu au-delà du testament, au-delà du will. Et dans ce sens-là, je parle du trust. Et le trust, en français, on appelle ça la fiducie. La fiducie, c'est un peu comme une représentation de toi quand tu es déjà mort, mais tu es encore une représentation de toi quand tu es déjà décédé. Donc, la différence alors maintenant entre le trust et le will, c'est que maintenant, dans un trust, tu peux mettre tout dans le trust, et maintenant, c'est à toi de déterminer les termes de comment est-ce que ton estate sera utilisé. Je vais prendre un exemple. Vous pouvez peut-être, si vous savez que peut-être votre enfant est encore très jeune, pendant les moments de jeunesse, si vous êtes encore en vie, vous pouvez faire de votre fiducie, de votre trust, le death benefit. You know, on top of that, but if you don't have that much money or that much estate to make a trust, et que vous avez des enfants qui sont jeunes, je pourrais encore dire, you know, peut-être trouver quelqu'un, membre de la famille, qui pourra être le beneficiary de cette assurance vie. Dans ce sens-là, alors c'est un adulte, and then you trust that person enough to use that money to take care of your children, rather than giving that in the hands of your children and then, you know, misusing that money. But in the other sense, if you don't really trust people that much out there, then tu peux, you know, you can make your trust the beneficiary of your life insurance. Bon, l'inconvénient avec ça, c'est que, you know, your trust, c'est un peu une représentation de toi, so you might end up, you know, your estate might end up paying estate taxes on that trust, but estate taxes is what, il faut avoir dans les peut-être 5 millions and above for you to start paying estate taxes. So si tu n'es pas, si tu n'as pas le genre d'argent là, you know, you can still make it, you know, do away with the trust. Mais ce qui est bien avec le trust, c'est que dans le trust, tu peux déterminer comment est-ce que cet argent-là sera utilisé. Par exemple, si peut-être l'enfant est encore jeune et que tu mets l'argent dans le trust, tu peux écrire dans le trust, tu dis, voilà, Johnny, pour le moment, je sais que tu es jeune, mais l'argent que j'ai mis, que je suis en train de laisser là, j'aimerais que tu utilises peut-être 50 000 pour fréquenter, pour payer tes études. Et puis, dès que tu vas finir avec tes études, j'aimerais que tu prennes peut-être 50 000 pour faire peut-être un down payment sur ta maison. Vous voyez un peu, vous déterminez. Ou bien, Johnny est en train de faire les drogues. Tu me dis, bon, Johnny, moi, je t'aime beaucoup, mais je ne t'ai pas vraiment fait bénéficier de mon life insurance parce que j'ai peur que tu vas misuse cet argent. Mais comme j'ai mis dans le trust là, si tu deviens clean, en fait, ce sont les trucs que les thèmes que tu mets dans le trust. Tant que tu deviens clean, tu pourras maintenant retirer tel montant d'argent ou bien en tel moment pour faire telle chose ou bien en tel moment. So those are the good things in order, you know, if you want to think about a trust, you know. Et ce trust-là, quand tu veux faire un trust, l'erreur que les gens font, c'est que they don't fund it. Quand je parle de fonds, j'avais dit que quand tu crées un trust, tu dois mettre tous tes biens à l'intérieur. Même quand tu es encore en vie, tu vas voir si peut-être tu as un compte bancaire, que tu as un chéquier, tu vas voir très souvent, au lieu de ton nom qui soit écrit au niveau là où il y a ton nom sur le chéquier, ce sera écrit ton nom et puis peut-être le trust de telle personne. So that means tu as mis ça dans le trust. Ta maison, tous tes biens, il faut mettre ça dans le trust. Parce que si vous ne mettez pas ces biens-là dans le trust, ça va, you know, et que vous mourrez, tout ça, ça va aller en cours. And a beautiful thing with the trust, c'est que quand tu as un trust, you bypass what we call probate altogether. Mm-hmm. Quand tu as un will, the will has to go through court, ça doit passer par le probate court pour être validé. Mais quand tu as un trust, your stuff don't need to go to the probate court at all because you had a trust. And the beauty of it, c'est que tout ce que tu as laissé derrière devient privé quand tu as un trust. Et pourtant, quand tu as un will, everything, n'importe qui peut aller faire un Google search, everything, c'est à la merci de tout le monde. Anybody can know what you left behind. Anybody can know what the problems, you know, what are the problems happening with your estate and stuff like that. Pourquoi? Because maybe you didn't leave a will, or maybe you didn't make a trust, or you had a will and you didn't have a trust. But the trust is the only thing
qui va rendre tes choses un peu de you know, that will keep it away from the public eye, that will keep it private. Et il faut aussi apprendre des leçons de plusieurs personnes. Il y a le musicien Prince du Minnesota qui est mort, je sais pas, il y a de cela déjà quelques années, mais malheureusement il n'a pas fait de estate planning. Il n'a pas fait d'estate planning, ce qui fait que maintenant tous ces trucs, si vous voulez savoir les trucs de Prince là maintenant, vous allez online, vous allez trouver ces choses là parce que he failed to do that. Et parce que he failed to do that, jusqu'aujourd'hui, la cour n'a pas encore pu déterminer qui va prendre son estate. And guess who is making the money? The people making the money is the court and the lawyers. Yeah. Mais sa famille immédiate, même jusqu'à présent, n'arrive même, you know, they have not even gotten anything. Why? Because Prince failed to do estate planning. Maintenant, c'est chacun qui sort, qui dit, oh, peut-être je suis l'enfant de Prince, je suis relié à Prince. Les gens sont en train de discuter. Oh, je dois avoir une partie de son héritage, machin, truc. Why? Parce que Prince n'a pas pu faire son trust. It's the same thing with this singer, comment il s'appelle? James Brown. Et il y a la dame ici qui est morte récemment, là, la femme, la noire américaine, là. You make me feel like a natural woman. Aretha Franklin. Yeah, Aretha Franklin. Elle aussi, she failed. She didn't have estate planning. She didn't have a trust. You know, ça, ce sont vraiment des erreurs que les gens font. Et les gens, quand tu entends toujours parler de estate, the first thing that comes in mind to a lot of people, c'est que tu dois avoir des gros appartements quelque part, tu dois avoir, je ne sais pas, an estate kind of... Non, ce n'est pas ça. Estate is everything that you leave behind. Les gens se disent que non, you have to have a lot of money and a lot of things in order to do an estate planning. But they forget that même si tu as une voiture, même si tu as un compte bancaire, that is already an estate that you have. And you can, at that time, make at least minimum the will, you know, in order to say who is going to have those things, you know, so that your things will not, you know, will not be disputed anyhow. So anyways, that is my two cents on, you know, on what we were talking about. And I really hope that, you know, we get to the position that we can, you know, all do our wills and to a certain extent, you know, have a trust all together. Fantastic. People remember, in this group, right, we have lawyers, we have accountants, we have insurance brokers. She is a broker, by the way. She's like an insurance broker. So am I, but she's like, you know, she is it. If you need life insurance, talk to her. Okay, people? Let's be like Jewish people, okay? If you want to buy a house, find a broker in a community. If you want to do, you need for a mechanic, find somebody that is one of us. Keep the money in the community. Don't give it away. It's important. Extremely important. All right? If you need a lawyer, find a lawyer that we can all use. Anybody else want to jump in and share something? This is great. Yeah, Bernard, je te laisse un message en privé là. Ouais, je l'ai répondu par texto. Je vérifie ton texte. Ah, d'accord. Je n'ai pas consulté. Merci. Mais vérifie pour mon texte. Tu as vu que tu as reçu. Hein. Vérifie d'abord. Voilà, c'est reçu. Merci. OK, c'est bon. Anybody else? No, we're running on overtime. It's 10:30. Okay. Thank you very much, guys. I'm Victor. Merci encore beaucoup. Je voulais seulement dire que si on peut mettre ça sur... Peut-être sur écrit, peut-être sera mieux, je ne sais pas. Mettre quoi sur écrit? All those advice, though, or something like that. Ce que tu dois faire, c'est contacter un avocat. OK. Et pour faire ça. Ou bien, si tu es entreprenant, tu vas sur legalzoom.com. Yeah. Ils ont tous les documents déjà préformatés, puis tu n'as qu'à les remplir. OK, thank you. Mais dès que c'est fait, il faut que tu ailles faire valider par quelqu'un qui se connaît, quoi. OK. Pay the money. Pay the money. Go see a lawyer. It's worth it. Just to be safe. OK? Some things you can do on your own, but things like this are extremely important. Pay the money. Find a lawyer from Cameroon around here. Pay him a fee. Let him do it. Lock it down and forget about it.
Okay, thank you for your time. You're welcome. Coach, one more thing, please, if you don't mind. Please, go ahead. Of course. Yeah, cette fois-ci, bon, it's gonna be, ce sera peut-être, you know, si vous me le permettez, ce sera un peu comme une petite publicité de ma part. Vas-y. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent avoir des wills et des trusts là, so I can, je peux aussi vous aider. J'ai un service, je suis en contact avec deux compagnies that can help you with that. Bon, très souvent, ces deux compagnies là, what they will do is, they will give you the platform for you to go on and design your will by yourself, même comme je préfère que you get a lawyer to do it. But you can, the thing with that is, you can do it by yourself if you want to, or through that service too, they can put you in touch with a lawyer, probate lawyer or whatever, that can help you come up with a will. I mean, c'est ce que moi je vais, you know, that's what I would advise you to do, to get that option. But also the beauty with these services that I have too is that they come with military space grade. Comme tu l'as dit, coach, you said you have your will save in a iCloud, you know, iCloud somewhere. Mm-hmm. So what these services do, they offer you that same iCloud, and then they give you all the forms that you need to do your medical care directive, your living will, your last will and stuff like that. You can do them by yourself, you know, or get a lawyer through them to do it. And then they offer you that military grade space where you can go and store those documents. And it's unlimited. Si, parce que la raison pour laquelle ils le font, c'est parce que plusieurs d'entre nous, if you were to pass away today, then no, you know, whoever is going to be left behind will have a lot of problems to get our information together. Maybe they might not even know where your ID is. They might not know the password, let's say, to your bank account. They might not even know the password, let's say, to your Facebook account and all of that. If they, you know, they might not even know where your birth certificate is, your social security and all of that. So what the idea behind that is that with that unlimited space that they give you the opportunity to go on there and put all those information, so that in case you pass away, everything will be released to the person that you choose to have those information. If you can also upload your will on there, you can upload your trust on there. And for every document that you upload, you put the email address or the contact person of the person that you will wish for them to have those documents in case you pass away. If you want, let's say, two people to get your will, they're just going to release the will to those two people that you give access to. You can use that website to maybe save pictures. I've always, you know, I've given it to people that always want to leave, let's say, voice, video messages to people. If you feel like you have a message that you want for so-so and so, and you don't want any other person to have, you know, you just go, you make a video message of one person or a voice message of one person, and then keep it on there, and then just put the contact of that person. And then once you die, that person will, you know, that those information will be released, you know, to those person. And then some of those plans too, I mean, one of those companies that I'm dealing with, they actually also doing in final expense or in planning as well. Donc c'est-à-dire, if you pass away, they take over. You can't, all you have to do, there is somebody that is going to be available 24/7. That is going to take over everything and help you plan a funeral. Maybe if you want to send the remain back home, they will help you do all those kind of things. Parce que moi, j'ai perdu mon beau-père en septembre l'année dernière. And I'm not going to lie to you. If you have not lost somebody in the United States, you will not know what it takes in order to do all those things. You really need to know somebody that can guide you through the system and that knows those things. Parce que at that time, you're there mourning about the person that passed away. And believe it or not, at some moment, certain funeral home, they take advantage of a lot of people during those times. It's sad, but it's the clear truth. They take advantages of family during that time. So avec ce plan, so what they do is, when you get it, I mean, if they pass, so if the person that is covered passes away, then they take over all of that so they can help plan, send the body home. It's actually the only plan that can look in your area
and look at the funeral homes and look at all the services and tell you which one is the cheapest. And they can even on top of that bargain the prices, you know, with the funeral homes, and then tell you the different things that you need to do so that you can have the time to mourn your loved one, and then they take care of the rest. So if it's something that is of interest to you, you know, you want something like that, or you want a will and a trust that I can guide you through, you to do it by yourself, or maybe to be in touch with lawyers that are doing in that domain, please get in touch with me and then I'll hook you up. Thank you. Awesome. Thank you. Uh-huh. Anybody else has a question? No? Come on, people. Let me get back in here, sorry. We were here. This is where we are. Anyone has a question? Testimony? Anything? Thank you so much for that, really, Linda. Thank you so much. Actually, Linda, you should go on the group and then post all the information in there for everybody to see tomorrow. All right, folks, we have about, gosh. Coach, what's the group link? Can you? Oh, this is in Antonu Camer. Are you not there? Ah, yeah, on the group. Yeah. Okay, yeah, I get exactly. It. Exactly. She can put it there. Yeah. Okay. That's critical information. Nobody else? Okay. Going once. And if she can also add her presentation, some note on her presentation about life insurance, also it would be good. She did one a few days ago on life insurance. There was a whole stack. She can do that again. I think it's on. It's in there. Look at the archives. She did a whole thing on life insurance. Okay. Yeah. I'm sorry. You know some of these things. Well, she's here. She's listening. I mean, you can contact the admins. They have they save all the links to all the live videos that are done on the page that are interesting for reference. So if you contact them and you ask to have the link for Linda's video, they'll send it to you because they do save all of that. Okay. If you can't find that's it, that's great. And for those that miss it, you know, that will be you reaching out to the admin, and then the admin will deem it, you know, if they feel like I should redo that presentation. I don't mind redoing it, but that's gonna be the call of the admin, you know, for them to schedule me and stuff like that. You know, if some people miss it and they still want to hear that information, it's really up to the admin to do that. Okay. Thank you. Elvira Manga just said that she's an admin. Contact her. Thanks, Elvira. All right, folks. So it's 10 o'clock. I'm going to a nightclub. I'm going to clubbing right now. So what are you guys doing? I'm going clubbing. With Corona? You're doing clubbing with Corona, or are you doing clubbing in your own house? In my own house? What are you talking about? COVID-19. What? Clubbing is clubbing. Put the music on, you know. I mean, I don't drink anymore, but, you know, put the music on and then wake up my neighbors, you know. All right, guys. Thank you for your time. All right, people. Thank you. Be safe. Thank you. It was really valuable. All right, get a trust going. Thank you. Cheers. No GoFundMe, guys. No GoFundMe. No GoFundMe. Thank you. Oh, by the way. That's my dream. By the way, you guys know this. I never give money to bury anything. Hey, Coach. I never go fund anything. I don't. Okay. I still not, do, but when I'm doing it, I'm crying. I'm like, it's my dream to see our community have, you know, planning in place. But unfortunately, you know, they don't do it. But I'm a fair comma. I still go there and give money. I don't. I simply don't. Is there a way? Is there going to be a way for you to download this video and upload it? Yeah, I will upload it to you. Not just the link. It will be the video. No, I will get it down from the cloud.
Yeah, he's recording it so he can always upload it on. Yeah, because this is so important. In fact, I think there should be a way to find out how it can really be done on the live on Facebook one of those days or a month. Yeah, Facebook sucks, man. Facebook's just too slow. There's delay and everything. It just froze. I don't know. Yeah, because again, I think there were like 60 people that were expecting the live, and they kind of missed the post that sent people to Zoom, and like 15 people. So those people probably are gonna see this later, but they probably had questions that they would love to ask live. No worries. So maybe if we find out how to do it on Facebook, maybe we can then get this done again another time later this year, because these are things that our community actually needs so we can avoid the GoFundMe meeting. People have to plan these things. African fear of death. It's a shame. Anyway, people, have a good Saturday. Have a good weekend. Cheers. It seems like somebody is saying hi there. Somebody has a question. I'm Elvire. Elvire, vas-y. Pose ta question. Non, j'ai pas une question. Je voulais juste dire que on peut synchroniser le Zoom sur Facebook. Il faut avoir la version pro. J'ai essayé, ce soir, ça peut un peu comme... My God! Oh, yeah, 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 yeah. Ouais, j'ai essayé. Ça a planté. OK, sorry. J'ai la version pro, mais ça a planté. Oh là là. Ah ouais. En tout cas, il faut nos propres plateformes. Hein. Ça fait penser que si on compte autant sur Facebook, là, c'est déjà une limite. Hein. Il faut qu'on y pense parce qu'ils sont en train de limiter là. Et puis, bon, mine de rien, avoir nos plateformes, c'est au moins rassurant pour nous. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Faisons d'abord avec ce qu'on a. YouTube, là, si jamais on va voir. Tout à l'heure. Yeah, YouTube. Mm-hmm. Mm-hmm. OK. Bye, people. Good night. Okay. Good night. Thank you so much, guys. Yeah, thank you. Cheers. Bye.